Alors, objectif du jour, démonter la portière. Encore pour la même raison, le haut-parleur qui marche pas ici. Alors, tout marche sauf celui-ci. Donc, je soupçonne le filtre encore au milieu. Pour le coup, je vais vous faire un tuto sur le démontage en phase 1, qui sont un petit peu différents des phases 2. On a déjà vu le démontage phase 2, et là, du coup, on va faire le démontage phase 1. Il y a quelques petites subtiles différences. Donc il va falloir enlever ce panneau ici d'abord, dans lequel il y a une grosse vis derrière, et ce panneau il est éclipsé, sans le casser, et puis on essaiera de regarder si on peut d'ailleurs le refixer au passage. Ici, ah tiens, je vois que c'est fermé. Ah oui, il est fermé à clé. Bon, c'est fermé à clé, mais ici, vous avez une vis ici, si je ne dis pas de bêtises. Il y a une vis ici, évidemment. Là, on n'a pas d'airbag dans la portière, donc il n'y a pas de souci d'airbag. Il y a le panneau enlevé ici, évidemment, il y a ça enlevé. Et ensuite, on déclipse. Sur les phases 1, je vous conseille d'enlever ça aussi avant, parce que c'est fragile et ça casse et c'est compliqué à trouver. Donc enlevez-le délicatement avant de le débrancher, c'est pas la peine. Il y a quelques subtilités ici, on va voir tout ça. On a besoin de tournevis cruciforme, un petit, un plus gros. Pour les vis ici, il faut des tournevis cruciformes assez gros. On a besoin de clips plastiques, on a besoin de ces mains et normalement, c'est tout. Alors, quand on ouvre la voiture, voilà, ça s'ouvre. Et donc, on a bien une vis ici à démonter. On voit que celui-là, il a été changé. Il n'est pas foutu comme le reste de la voiture. Il y a des surpiqûres grises que le reste de la voiture n'a pas. Je ne sais pas pour quelle raison, mais celui-ci a été changé. Alors, c'est parti. On va commencer par démonter ça. Donc, pour ça, on commence par sortir le panneau ici. Non, le panneau ici. Ici, on déclipse ça. Voilà, cette petite pièce. Elle est éclipsée par derrière. Là. Ensuite, on a une vis ici à démonter. Sans la perdre. Et on peut normalement sortir la partie métallique ici. Qui vient se déclipser ici. Voilà. Et cette partie-là tient ça. Donc maintenant on peut retirer ça ici. Voilà. Et on a la prise électrique. Et à venir débrancher. Vous voyez, c'est ces clips-là qui sautent souvent. Alors encore sur celle-là, ils y sont. Il va falloir les retendre pour que ça tienne mieux. Donc on débranche. Les prises électriques. Alors de mémoire sur celle-ci, je suis déjà intervenu plusieurs fois pour diverses raisons. Je vous expliquerai après tous les problèmes qu'on peut trouver. Vous voyez, ce sont ces clips là qui tiennent pas bien. Des fois ils sont cassés, là ils sont pas cassés, mais on va essayer de les retordre correctement. Du coup, ça prend du jeu avec le temps et le panneau tient plus bien. Et ici, il y a des clips aussi plastiques. S'ils sont cassés, ça tient pas non plus. Souvent on voit des gens qui les collent, c'est bien, mais ça nique le cuir un peu quand même. Si vous voulez changer l'ampoule d'éclairage de ce truc-là, qui peut ne plus s'éclairer la nuit, ça se passe ici. Pareil, alors j'ai dû l'ouvrir celui-là, je crois, si j'ai bonne mémoire, pour refaire les soudures. Ils ont tendance à les soudures se craquer avec le temps, et du coup, des fois, il y a un ou deux switches qui ne marchent plus. Donc il faut les ouvrir, refaire les soudures, et ça marche. Il me semble que j'en ai fait un des deux dans celle-ci, je ne sais plus lequel. Là tout fonctionne, on ne croit pas y toucher, on le met de côté. Donc ensuite, on a ici, ici, il y a une petite vis avec un cache plastique à ne pas perdre. Le petit cache plastique ici. Et derrière la petite vis et le petit cache plastique, on a une grosse vis. C'est génial. Voilà. Donc on enlève la grosse vis. Voilà. Ici on a une autre grosse vis qui est planquée au fond. Donc qui vient jamais. Donc on la récupère tout à l'heure. Pareil, ne laissez pas. Enfin, quand vous enlevez le panneau, elle a tendance à se barrer, à sauter partout. Méfiez-vous.
Ici, on enlève ça avec le cache. Il nous reste à enlever. Ah, forcément. Les petites vis ici. Alors, je sais pas pourquoi ici j'en ai une qui est en tournevis plat. Je vais chercher un tournevis plat. Donc ici, on récupère la plaque chromée. Ensuite, ici, on tire sur le. Voilà, qui celui-ci se casse pas. Vous voyez, quand ils sont bien foutus, ici, il y a un clips qui ne casse pas. Bon, celui-là, il est quand même un peu. La partie ici. Une question, on verra ce qu'on peut faire dessus. Je pense qu'elle était déjà comme ça. Mais au moins, il est posé en bas, il ne peut pas bouger, il clipse en haut, ça bouge pas. Hop. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à déclipser le panneau. Voilà, je vois qu'il vient tout seul. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une grosse vis qui tient la poignée en 10. Et ben, voilà, si c'est bon. Oui, il y a une grosse vis ici qui tient la poignée. Normalement, on peut soulever et ça doit venir. Voilà. Perdez pas le coin du joint ici, sinon c'est compliqué à retrouver. Qu'est-ce que c'est qui tient encore ? Éviter de le perdre. Le bouton d'éclipser, je pense. J'avais oublié celui-là. Voilà. Voilà. Je vous ai dit. Je vous ai donné un conseil. Je l'ai pas appliqué moi-même. J'ai oublié d'enlever ça. Voilà. On débranche en haut. Vous voyez ce que je vous disais. Et je vois que celui-là, il est pas en super état. Les plastiques se cassent, donc j'avais scotché. C'est fragile. Ici, donc là j'avais scotché, il manque une partie plastique au-dessus. Voilà, et ça vient. Alors, contrairement à la phase 2, la poignée est restée sur la porte. Elle vient pas avec le panneau. Sur la phase 2, souvenez-vous, la poignée venait avec le panneau. Alors, j'étais déjà intervenu sur ce modèle-là, sur celle-ci. Et j'avais changé le pare-vapeur. Avec un truc que j'ai trouvé chez Castorama. Du plastique, tout simplement. J'étais intervenu pour... Il y avait un souci sur le. Je trouve. Enfin, j'ai pas mis l'antirouille au fond de la portière. Je trouvais que l'eau qui sortait des fois était de couleur bizarre. Donc j'avais tout remis du traitement corps creux à l'intérieur. Voilà. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est les haut-parleurs ici. On va regarder pourquoi ça ne marche pas. Petit détail par rapport à la phase 2. Vous avez un tuyau pneumatique qui va se fixer sur le. Sur le montant de la portière qui vient permettre de bloquer le volet quand vous fermez la voiture. Le volet va se bloquer. Et je vois tout de suite que ici, vous voyez, le clip il est resté collé. Il fait chier. Donc ça, et ben c'est à recoller sur le panneau. Alors c'est en ça que je dis que les panneaux phase 1 sont quand même de moins bonne qualité. Ils sont identiques à ce qui se faisait sur les 190, une espèce de carton, ça vieillit si mal et le truc plastique se décolle. Quand vous les sortez, c'est quand même de moins bonne qualité, alors que sur les phases 2, vous n'avez pas ces problématiques-là. Donc là, on va le recoller avec de la colle. Et ça n'avait pas bien tenu. Alors, objectif maintenant, vérifier
si le haut-parleur marche ou pas. Donc la membrane elle est en bon état. Je vais déjà vérifier ça parce que quand j'avais fait le système audio, j'avais vérifié la membrane et je suis sûr qu'il marchait. Je pense que c'est le filtre qui a dû sauter. Alors, il semblerait que ce soit celui du haut qui marche pas. Je pensais que c'est celui du bas. C'est a priori c'est celui du haut. On va ouvrir, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, sur phase 1, tout est beaucoup plus intégré. Et changer les haut-parleurs, c'est une bonne tannasse. Donc, je pense qu'il y a un filtre ici. Donc, à mon avis, si c'est celui du haut qui ne marche pas. Il doit y avoir un filtre quelque part par là, là ou là. On va vérifier ça. On va ouvrir ça. Alors pour le coup, par contre, ils sont beaucoup plus protégés de l'humidité, c'est clair. Mais alors s'il faut les changer, c'est quand même vachement intégré pour tout ça. Bon, je vais sur le banc et on va voir ça. Alors, quand on dit que les SL ce sont des bagnoles d'ingénieurs, et ben, sans déconner, c'est vrai. Regardez-moi ça. La façon dont c'est ingénieré, juste pour un putain de haut-parleur, qui pour le coup est dans un état au bout de 30 ans, c'est un truc de dingue. Celui que j'ai enlevé de la phase 2, il partait en couille, donc clairement il y a eu des réductions de budget, je vous le dis. Mais alors celui-là, il a 30 ans, dans un état, c'est dingue. Alors on trouve quand même le filtre qui, à mon avis, pose problème, le haut-parleur du haut. Regardez le nombre de vis que j'ai dû enlever pour accéder à ça. Il y a un petit joint, il y a tout un cache qui vient cacher le haut-parleur ici. C'est un truc de dingue. Comme des constructeurs qui ne seraient pas fait chier, ils auraient foutu deux entre-toits dans un haut-parleur terminé. Là, ils l'ont carrément étanché pour pas qu'il prenne l'humidité. Alors celui du bas, pas celui du haut. Oui, d'ailleurs, celui du haut est plus abîmé que celui du bas. C'est un truc de dingo. Des filtres. De la mousse, c'est un truc de dingue. C'est une voiture qui est sortie en 89, quoi. Donc, putain. Bref, donc voilà mon, je pense mon problème, ça doit être ce filtre-là qui fait que le haut-parleur du haut marche pas. Donc, on va s'en assurer tout de suite. Bon, réparation temporaire, j'ai bypassé le filtre. Voilà, si ça marche, bon, c'est pas terrible comme réparation. J'ai mis un coup de soudure quand même, donc ça va tenir. Scotch pour protéger le temps de pouvoir réparer ce filtre. J'arrive pas à l'ouvrir. Je vais essayer de vous l'ouvrir tout à l'heure pour la fin de la vidéo. Voir ce qu'il y a dedans, mais normalement on trouve résistance et condensateur. Voilà. Donc on va tester. On va remonter déjà histoire de profiter du son. Il faudra de toute façon que je réouvre la partie puisque j'ai pas de quoi réparer ça ici. Il va falloir que je trouve des condensateurs qui vont bien. Bon alors. Bon, je vous ai mis la musique classique, j'espère que vous aimez, parce que sinon sur YouTube je vais me faire shooter si je mets de la musique moderne. Donc là, effectivement maintenant il marche. Les deux marchent. Là, pour voir si un haut-parleur marche, hein, bah, vous posez votre doigt dessus, vous le sentez vibrer. Quand il y a des grosses basses, même on les voit bouger. Mais sinon, vous posez votre doigt dessus, on va marcher. Voilà. Donc là, tout fonctionne. C'est ce que je voulais. Un peu rappel dans cette auto. Il y a 6 haut-parleurs. Il y en a un ici, enfin 2 ici, 2 ici et 2 ici. Les deux du bas sont alimentés par un. Comme elle avait été équipée du Grand Prix 2000, les deux du bas sont alimentés par un ampli sous les pieds. Et les 4 du haut sont alimentés, enfin les 4 2 ici et 2 ici sont alimentés par l'ampli à l'arrière qui est séparé sur cette autoradio. Voilà, donc il y a des basses assez puissantes pour l'époque. Hein. C'était pas du Bose encore, mais ça marchait pas mal pour l'époque. Et on a le reste qui est alimenté par l'autoradio. Donc plutôt du haut de gamme à l'époque. Hein. Voilà, il n'y a plus qu'à remonter et je vais essayer d'ouvrir
le filtre pour vous montrer comment c'est foutu. Alors ça ne m'étonne pas que ces voitures coûtaient une fortune à l'époque. Regardez ça, ils ont mis des petits joints pour jointer le haut-parleur ici. Vous voyez. Le joint il a une gorge et tout. Hop. Et il vient s'enfoncer sur la partie plastique pour venir jointer le haut-parleur. Et par-dessus, vous voyez, on met ça. Ça va dans ce sens-là. Qui vient se positionner sur le joint, c'est un truc de fou. Ça ne m'étonne pas que ces voitures coûtaient une fortune à l'époque. Conception, production, ça te fait. Et on parle des haut-parleurs. Je suis sûr qu'il y a des bagnoles où les joints de couve-culasse ils sont moins bien foutus là-dessus, sans déconner. C'est un truc de dingo. Ils se sont fait plaisir à l'époque, Mercedes. Ils ont même été mettre une vis à l'arrière des haut-parleurs pour tenir le haut-parleur pour pas que ça branle. Non mais regardez-moi ça. Une vis à l'arrière du haut-parleur. J'ai un truc de malade. Regardez ça. Pour tenir le cache. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 vis. Plus celle du milieu. Rien que pour tenir ce putain de cache en plastique. Qui est jointé au passage. Mais. Incroyable. Incroyable. J'ai jamais vu ça. On est démonté des haut-parleurs. Hein. Mais alors, des trucs aussi ingénierés pour un simple haut-parleur, alors que maintenant on se serait même plus chier avec ça. Je veux dire que maintenant les haut-parleurs ils sont montés sans cache, sans rien, les joints, les machins, c'est posé, il y a une entretoise, c'est terminé, la roule, ils ont foutu du goudron derrière pour la réflexion. C'est un truc de malade. Alors, vous allez dire que je bug là-dessus, mais ouais, ça me fait bugger. Même ça. Ouais, c'est un simple cache en plastique qui vient par-dessus le haut-parleur. Vous voyez, il est oblique. Donc vous pouvez potentiellement le foutre dans le sens que vous voulez. Et personnellement, je l'aurais foutu la partie comme ça, vers le haut. Pensant que la partie la plus haute devait être là. Et ben non. Et ils ont pensé. Ils ont foutu un détrompeur. Regardez-moi ça. Il y a une 4 pattes sur les 4 qui est carrée. Avec les encoches qui vont bien pour la coller dedans. Vous pouvez pas vous gorer de sens. Vous voyez là ça bouge pas. Si vous la foutez dans l'autre sens, ça branle dans tous les sens. Incroyable. Le degré d'ingénierie pour des putains de haut-parleurs. Absolument. Incroyable. Alors je vais en profiter pour changer l'isolation au fond là. Vous voyez la partie goudronnée ici. D'origine il y a ça. Une espèce de morceau d'isolant. Carton. Avec le temps il se décolle, j'ai eu le coup de l'autre côté, ça vient se foutre dans la vitre, ça vient foutre de la merde sur la vitre et ça empêche la vitre de monter. Donc comme du coup j'ai profité pour régler ma vitre, du coup j'ai tout démonté, bon, il faut que je remonte, j'ai changé l'isolation. Donc ça c'est ce qu'il y avait d'origine qui commençait à se décoller, donc je l'ai viré et j'ai changé par... de le coller au fond parce que l'humidité tendance à se foutre entre ça et la tôle, ça peut arriver. Si l'humidité stack, c'est au fond là, sur la paroi, c'est pas grave, c'est pas ça. Au fond, j'avais déjà traité la portière avec le... Et évidemment, il faut remettre le pare-vapeur ici. Voilà, donc il me reste à remettre le pare-vapeur et remonter l'ensemble. Voilà, opération terminée, la porte est remontée, n'oubliez pas de vérifier ça, ça, ça fonctionne, ça aussi, sinon vous êtes obligé de tout redémonter, les haut-parleurs aussi. Ça, c'est pareil, ça doit se verrouiller quand vous fermez la porte, donc il faut aussi vérifier. Voilà, donc pour le démontage de cette porte. Bon là, j'ai passé pas mal de temps aussi sur la vitre. Elle a du mal à remonter quand elle arrive en haut, je vais vous montrer. Vous voyez, elle descend très bien. Elle monte
Jusque-là, très bien, et elle force à la fin. Voilà. Je sais pas trop pourquoi, elle force comme ça à la fin. J'ai pas trouvé de problème évident. Comme j'avais pas envie de tout démonter, de démonter tout le cadre de la vitre, il fallait que je remonte avant ce soir qu'il fasse nuit. Donc je me suis arrêté là, j'ai tout graissé, j'ai réglé les hauteurs. Mais qu'on a toujours un point dur à la fin. Bon, ça fonctionne. De toute façon, il faudra que je réouvre pour changer le filtre. D'ailleurs, je vais vous montrer le filtre. J'ai ouvert le filtre. Alors, ça va pas être réparable. Hein. C'est tout moulé là-dedans. Et ça va être compliqué. Donc, je suppose qu'on a une capacité et une résistance quelque part là-dedans. Normalement, les filtres, c'est ce genre de truc. Je vérifierai. Mais bon. Soit je laisse comme ça, soit je rajoute un filtre plus moderne, soit je change les haut-parleurs. J'étais pas dans l'optique de changer les haut-parleurs sur cette voiture, puisque toute l'audio est d'origine. J'aimais bien le son que ça faisait. C'était un son d'origine. Donc les haut-parleurs sont en bon état, je vais pas trop les changer. Peut-être essayer de retrouver un filtre passe haut, plus moderne. Parce que le principe, hein, c'est de laisser passer que les hautes fréquences. Je crois que c'est là où vous avez le signal qui rentre. Non, ici le signal rentre. Et il ressort ici. Et les composants intérieurs permettent de filtrer les basses fréquences. Donc ça évite d'envoyer des basses fréquences sur des haut-parleurs de 10 cm qui vont saturer. On leur envoie que les fréquences qu'on choisit en fonction du filtre. Donc du coup, il y avait un haut-parleur en bas qui fait les basses fréquences, un haut-parleur en haut qui fait les hautes fréquences. L'utilité de ce filtre. Bon, là il se trouve comme je l'ai enlevé, ben, du coup on envoie même les basses fréquences au haut-parleur du haut, le petit 10 cm, donc il va saturer un peu plus vite, c'est sûr. Mais au moins ça fonctionne. Je vais voir si je remets un filtre ou si je laisse comme ça, on verra à l'usage. En tout cas, ça c'est difficilement réparable comme ça. Il faudrait éventuellement tout nettoyer, tout et regarder quels étaient les composants et remettre des composants plus modernes. Voilà, bon, pour l'instant ça va rester comme ça. J'ai fait ce que j'avais à faire. Voilà, maintenant on va aller rouler un peu et profiter de cette voiture. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez aimé, si vous voulez plus de contenu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et likez si vous avez aimé. Abonnez-vous si vous voulez plus de contenu. Dites-moi ce que vous avez envie de voir. N'hésitez pas. Profitons-en. À bientôt les amis.